Freak, freak, you say you want trendy, you say you want chic and honey dips, rubbing on your money clip, hanging at your place, boardwalk and block place, acting all new, look at you, higher living, meanwhile, your style played out like race. Ouais. Pizza 2000, monsieur, Jean-Claude, à votre service. C'est votre commande. Alors ça m'étonnerait. C'est quoi, ça? Une stromboli, jambon, fromage champignon. Combien? 15 euros. Quoi? Didier Tronchet, dit Tronchet tout court, pour les amateurs de bande dessinée, passe de la BD au cinéma. Jean-Claude Tergal, son héros de papier, prend forme humaine avec la complicité de Mathieu Demy. Et nouvelle venue dans la comédie, Clotilde Courau qui interprète Mariana. Clotilde adore Mathieu, Mariana aime Jean-Claude. Au programme, histoire d'amour et répliques poétiques imagées. Jean-Claude, c'est donc Mathieu Demy qui est vraiment craquant dans le film. Vraiment, vraiment. À mon avis, l'été va être chaud pour lui. Qui est un livreur de pizza, qui est un mec qui galère, quoi. Il se fait larguer par sa meuf parce que sa copine, elle a pas envie de vivre avec un poète, il est un peu décalé, il est un peu artiste, il aime bien faire la statue. Lui, pour lui, ça lui pose pas de problème de se déguiser en homme blanc et de faire la statue. Il aime bien. Et puis, il peut pas se dégager de sa pose, quoi. Il est totalement dans son truc. Et ben, il se rencontre et puis c'est l'amour. Explique-moi, pourquoi tu l'as pas baisé? Je te trouve chou. Chou. Oui, est-ce que tu sais ce que c'est qu'être gentleman? Gentleman? Oui, c'est quand tu portes un smoking. N'importe quel lourdeau, il essaierait de m'embrasser. Et puis ça gâcherait tout. C'est sûr. Et elle apporte une fragilité. Une fragilité et puis du romantisme à ce film qui, par ailleurs, est truffé de gros gags et tout. Donc je dirais que ça fait le contrepoint du côté comique. Leur relation est assez jolie. Elle est très fragile, elle casse tout. Elle peut pas s'empêcher, dès qu'elle fait un pas, de casser un verre, de décrocher un truc, de provoquer une catastrophe. C'est un personnage assez perdu, assez touchant. Bon, on connaît mieux l'univers de Jean-Claude, mais alors, l'humour de Tronchet. Tu verras, de nos jours, ça passe mieux. J'ai envie de toi. Tu commandes pour elle? Sans la forcer, en douceur. Moi, je vais prendre une autre côte, marchand de vin. Et moi, je vais prendre la moule. Merci, c'est parfait. Bon, je dois reconnaître un goût un peu douteux pour la provocation. J'aime bien les choses un peu limites sur le plan du bon goût. Le bon goût, pour moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, du coup, quand j'ai dépassé la limite, là, je sais. Dans le film, est-ce que je l'ai dépassé? Oui, hein, on va dire. Il y a deux, trois moments. Il y a deux, trois moments. Mais en même temps, est-ce que ça doit être mon côté potache? Ce moment... Écoute, mais pleure pas comme ça. On va te la payer, ta pizza, hein?